Yep. Откройте дверь. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Ce bronze qui est que j'aime bien. Alors, je l'ai bien connu. Il s'appelle Jojo. C'est mon bouc Jojo. Je l'ai bien connu donc en Golfe du Morbihan. À chaque fois que j'arrivais chez des pêcheurs, chez un copain, avant d'arriver chez lui, il y avait un pêcheur qui avait des animaux, des lapins, des poules, etc. Et il y avait un bouc qui s'appelait Jojo, qui était dans l'herbe, tout près, le long de la mer, le long de la plage. Donc j'arrêtais ma voiture et je venais lui dire bonjour. Il venait et je lui poussais les cornes, mais comme un rugbyman, et il poussait comme un fou, lui. Et il avait de l'herbe jusqu'en haut des pattes. Donc ses pattes sont fines et en plus à la neige un petit peu dans l'espace, en sculpture. Et donc voilà, c'est Jojo. Jojo avait une belle tignasse prise dans le vent et ben voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'histoire de Jojo. Et l'histoire du chien, évidemment, c'est l'histoire du chien, de mon chien, 14 ans d'amour, 40 kilos d'amour. Bon, ça m'y a fait penser, évidemment, il était blanc, elle avait les cils blancs, on s'est aimé, elle n'est plus là, et j'ai refait ça en pensant à elle, voilà. Donc, c'est le petit chien en albâtre, voilà, il bouge pas, il a son petit air un peu penché, je le trouve bien vivant, et vous dit bonjour. On tient ça, on tient. Salut, merci.